so it seems, but game's not over yet. New cards are drawn, new hands are played, newcomers place a bet. An evil wizard, devil gift, the odds are cast anew. Thank you.
Et bonjour, comment allez-vous? Hop, on arrête la musique. Bim bam boum. Ok, ça c'est bon. Hop. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur du Spider-Man. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Longtemps que j'ai pas streamé du Spider-Man. Ça fait un mois, je pense. Je sais plus les touches, hein. Voilà, je vous le dis. je ne sais plus. Pas grave, on va voir, on verra bien. On va continuer les quêtes principales, tout ça, tout ça. Là, mais y a des choses disponibles, apparemment. Ok, on a ça disponible. Ah, ça c'est une tenue du premier, je crois. Ouais, les autres aussi, je pense, c'est les tenues des films, je pense. Ok, composante tenue. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça peut-être temps qu'on améliore des trucs, hein, parce que attaquer des ennemis entoilés rapporte plus de concentration. Ouais. Acheter une deuxième barre de concentration pour gagner la santé plus fréquemment. Okay, bah ça, je peux pas le faire du coup. Ça, c'est quoi, déplacement? Ces améliorations font évoluer votre vitesse et donnent accès à de nouvelles capacités de déplacement. Ouais. Augmenter les dégâts en premier lieu. Ok. Bon, après, niveau santé, on a quoi? Augmente la santé de 10. Bon, on l'a déjà et ça, on peut pas l'acheter. Ok. Ça, est-ce que j'ai envie vraiment de l'acheter? Les delta toiles permettent de planer plus longtemps. Bon, totalement. Ouais. Ça demande des pièces rares en plus. Voilà. Pas forcément envie. On peut en faire plusieurs, genre. C'est quoi des mots là? Mais ça, je l'ai déjà, ça. C'est pas la bonne. On va faire ça parce que j'utilise tout le temps ce truc. Ah oui, ça se remplit plus vite. Ouais, bon, je l'utilise tout le temps donc. Autant le faire. Ajoute 4 tirs à votre maximum, ça c'est bien. C'est quoi les autres trucs? Ça j'utilise pas. Ça c'est bien, mais j'utilise pas non plus. Ça non plus. Ouais, c'est là-dessus, petite valeur sûre. Mais ça, on peut pas. Ok. Ensuite, en compétences. Ouais, c'est bon. Comme j'ai rien foutu depuis le début du jeu, vraiment qu'on les fasse parce que c'est peut-être aussi pour ça que des fois je galère un peu. Du coup, on a quoi? Ça, c'est pour Miles. Ok, alors point machin de force, ok, c'est quoi? C'est bien ça. Pourquoi j'ai pas pris ça? Vous arrêtez de faire des bêtises derrière? Pardon.
Voilà. Comment ça, doublement? Ok, je peux le faire deux fois. On va partir sur le saut, ça me semble plus sympa. Ok. Alors. Frapper les ennemis paralysés par un recharge aux capacités. On va partir là-dessus. Je suis en train de faire de la merde là, attendez, ils ont. Je me rappelle plus s'ils ont des points. Mais oui, non, ils ont pas les points à chacun, putain. Là là. Là, je peux même pas aller à gauche avec ça. J'aime pas ça en fait. Je déteste le fait qu'ils aient copié des trucs sur Octopus. Vraiment, je trouve ça. J'aime pas du tout. Bon, on va voir les compétences qu'ils ont à deux. Ça va être plus sympa. Ah, ça peut être bien, ça. Ouais, on va prendre ça. Déjà, ça va nous aider, ça. Maintenant, X, près d'un ennemi dans les airs, pour infliger une attaque bondissante et le faire rebondir au sol. Ah, ça, j'aime bien. On va partir là-dessus. Ça, c'est quoi? C'est pour enlever les armes? Non, c'est les parades des armes, ça m'intéresse moins. Et coucou June, comment ça va? Chance d'obtenir un tir de gadget gratuit. La plongeon maintenant 2 pour accélérer. Ouais, on verra plus quand on aura plus de points. On va récupérer les trucs là-dessus. Oui, je sais, je sais. Je suis là, je suis là. Puis rapidement, après un ennemi contre un mur pour l'infliger une puissante volée d'un coup. Allez, on part là-dessus, on va être bien. Et là, je peux pas l'acheter. Très bien. On est pas mal. J'ai fait de la merde. Je me rappelle plus du tout où on était rendu dans l'histoire. Je sais qu'on avait Harry qui s'était découvert des pouvoirs et qu'il était venu nous aider. C'est à peu près tout ce que je me souviens. Lui, il doit faire une thèse, il l'a toujours pas faite. Miles, là. Écoute, ça va tranquille. Ça va tranquille, June. Mais je sais plus ce qu'on fait là. Voilà. Ça va beaucoup aider la communauté. Ça, c'est sa mère. Pour votre soutien. D'accord. Au revoir. Oh, Miles. Salut, moi. Viens, assieds-toi. Je voulais prendre des nouvelles. Je m'inquiète pour toi. Todo bien? Ouais. Je te jure. Ok. C'est de la folie en ce moment. Je sais plus où donner de la tête. Entre la ville, mon essai pour la fac, et puis y a Pete, qui est occupé avec d'autres trucs. Ellie. Il est toujours dans la nature. Ça t'inquiète pas, toi? Si, bien sûr, ça m'inquiète. Mais je me suis engagée à agir pour cette communauté. Je dois mettre de côté les choses qui ne servent pas ce but et me concentrer sur mes objectifs plutôt que sur le passé. ¿Entiendes lo que te digo? Ouais. Mais Lee, je peux pas le mettre de côté. Angela, il va falloir que je vous rappelle plus tard. Enfermé dehors, mais vous avez une clé. Ah. Non, non, je comprends. C'est une urgence.
Je vais passer quelques coups de fil. Ok. Non, je peux y aller. Tu ne viens pas de me dire que tu étais débordé ? Si, mais... j'ai toujours du temps pour ma communauté. Et bon. Ok, man. Où je dois aller ? Au centre culturel de Harlem, sur la 116e et Convent. J'ai eu mon amie Angela au téléphone, la conservatrice. Elle voulait offrir une visite privée à un donateur potentiel, mais le système de sécurité l'a enfermée dehors. Oups ! Le malaise ! Angela a trouvé des objets pour une nouvelle expo musicale, mais les subventions n'ont pas suivi. Et si le donateur ne couvre pas les dépenses, le musée risque de fermer. Je vais m'assurer qu'il rentre. Ouais, c'est vraiment le point fort du jeu, c'est le système de déplacement. On va pas se mentir. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. L'histoire, je la trouve vraiment pas ouf. J'ai beaucoup de mal à m'attacher au personnage, mais bon. Vous savez que j'ai à cœur de préserver l'héritage musical de cette communauté. Mais vous voudriez que je fasse un don pour un musée qui n'a même pas de système de sécurité ? Darren, j'entends vos craintes. Néanmoins, je vous assure que ce musée sera... Spider-Man. Oh, Dieu merci. Le système refuse de nous laisser entrer et il ne réagit à aucune commande. Allons voir si je trouve d'où vient le problème. Je dois trouver le panneau de commande. C'est l'os ? Bah non, c'est... Ok. Génial, c'est le panneau de commande. Les relais sont surchargés. Je dois regarder dans les murs pour aider. On va réparer ça quand Jella puisse faire sa visite. Il y a dû y avoir une surtension quelque part. Sûr que l'alarme n'a pas sonné ? L'IEM a fait sauter tout le système. Ah, mais c'est cambrioleur en fait. C'est pour ça qu'Angela est coincée dehors. Ah, je peux, ok. Mais putain. J'ai du pire. Je vais réparer ça vite fait. Ça y est. Mais le système est toujours HS. Je dois trouver les autres boîtiers de relais. Ok, let's go. Attends, on peut plus des déplacements à cheval ? Hey, Miles. Moi j'aime bien. Ce putain de câble. Ah, il est en haut. J'arrive pas à croire que je l'ai laissé filer alors que j'aurais pu. Mais T'aurais pu quoi ? M'assurer qu'il ne fasse plus de mal à personne. Je peux pas aller plus haut que ça ? Bon, t'inquiète, je continue de chercher. Faire choisir le parcours là vraiment. Allez, on est reparti. Il doit y avoir des trucs précieux là-dedans. On a affaire à l'écran. Je suis coincé. C'est bon. Ont déjà été chargés, hein? Ouais, mais on a le temps. Il y a encore plein de place dans les camions. Casse-toi, toi. Pour laisser type sans me faire repérer. Hé, c'est quoi ça? Tire dessus! Oh non! Allez, garde ce froid. Ne fais pas un tes vieux coups foireux. Tu peux y arriver. J'envoie une autre au-dessus de ce type. Mais attends. Je passais par où, moi? Ok. Oh.
tais-toi. Putain, mais je suis où là? Ok. Mais ça l'inquiète pas du tout qu'il y ait des cambrioleurs, hein. C'est un truc... Osef, hein. Mon truc, c'est la musique de Geek. Les ordis, c'est mes instruments. La musique, ça commence par un être humain. Son instrument et son âme. Quand tu mixes et quand tu sens, tu dois tendre l'oreille et capturer cette âme. Les ordis ne savent pas faire ça. Tu sais que plus personne parle comme ça. Tu veux dire comme une grande sage? Ok. Let's go. Ok, c'est bon. Le signal est plus fort maintenant. Il doit me rester un dernier relais à réactiver. Putain, vraiment encore là. Ah, le relais est juste à côté de quoi. Ok, je dois rétablir ce dernier relais, puis retourner à la baie de chargement. Je vais m'assurer que ces types ne piquent aucun objet. Il y a quelqu'un qui se cogne dans des trucs. Ok. Bien joué, Spider-Bot. À mon tour maintenant. Spider-Man, ça y est, la porte est ouverte. Un toutou. Mais apparemment, plusieurs objets ont disparu. Tout est revenu à la baie de chargement. Et je veillerai à ce que rien ne bouge. Vite, on doit se barrer de là. Allez, allez, allez. J'aurais mieux fait de rester. Le boss a dit que ce serait une mission pépère, et on se retrouve avec Spider-Man. On s'en tape. Fume-le. Je suis prêt, l'araignée. Dites à votre chef que mon quartier se laissera pas faire. Et t'attends gentiment qu'ils sortent tous de la voiture là? C'était pas ça. La méga décharge unique est une frappe puissante, vous pouvez la déclencher lorsque votre barre nanana est ok. Mais c'est quoi ce bug là? Chelou encore. Comme ça, je dois en choisir. Laissez tomber, vous vous en tirerez pas. Putain, j'ai pris le. La cata.
Mais je peux faire quelque chose, hein, parce que c'est chiant. Ok. Ok. Caritatif, non? Si on retrouve pas ce deuxième camion, il y aura pas d'expo. Et sans expo, pas de gala. Et sans gala, le musée devra fermer. Et pourquoi il a pris le tambour là? Ça n'arrivera pas. Je vous le promets. Tenez. Oh, c'était celui de Clyde Stubblefield. Surnommé Funky Drummer. Vous avez une idée du nombre de fois où il a été samplé? C'était un musicien très respecté, à mi-chemin entre funk et hip-hop. Merci. Et vous en faites pas, je vais trouver le reste des pièces. Merci. Faut que je fasse le point avec Pete. Ok. Allô, t'as une minute? Bien sûr. C'est Harry qui m'appelle. Il faut que je réponde. On se rappelle? Oh. Ok, pas de soucis. A plus. Ouais, Pete. Je suis à l'EMF. Aucun signe du docteur Connors, mais je t'avoue qu'un peu d'aide serait pas de trop. Je suis en route. T'as eu des nouvelles d'MJ? Elle dit qu'elle devait passer chez lui, non? Pas encore. Elle a dit qu'elle m'appellerait quand elle y serait. Espérons qu'il ait juste la grippe? Ouais. Oui. Je vais voir dans nos bureaux. Viens dès que tu peux. De Connors? Pas pour l'instant. C'est MJ. Mauvaise nouvelle. La maison de Connors est envahie de chasseurs et il n'y a aucune trace du docteur. De chasseurs. Je crois savoir où le trouver. Sur l'autre rive du fleuve. Peut-être vers... Mais... Vraiment, ils sont discrets dans la rue. Hein. Prends le matos. Bah oui. Merde, c'est à moi de jouer.
d'entraînement avec sable m'aura servi plus tôt que prévu. Avec sable? Connors doit pas être bien loin. Il faut que je prévienne Pete. On aurait peut-être pu fouiller ces types, hein. Ils avaient peut-être un téléphone, quelque chose. Ok. Ils étudient le docteur Connors. Oh mon Dieu, ils veulent le chasser aussi. Attends, c'était quoi pour écouter ? J'ai pas lu non plus pour se faufiler, on est bien. Ok. Ils ont pris leurs aises, on dirait. C'est possible. Il faut qu'ils regardent de l'autre côté. Ouais. Tu sais que j'aime pas qu'on se faufile dans mon dos. Qu'est-ce qui se passe, attends. Faut faire dodo. J'aurais une meilleure vue depuis. T'as mangé, t'as été faire pipi. Oh putain. Alors ça c'était discret. Ouf. Ok. Il y en a tellement qui ont essayé de le tuer. Mi-homme, mi-bête. Je crois pas que ce soit possible. T'as raison. Enfoui sous les décombres. Broite. Hein? C'était quoi? Je dois trouver Connors. Encore une nuit entachée par le silence de la mort. Je n'étais pas sûr de pouvoir lui couper les ailes. Ça a peut-être été ma faiblesse, mais... Non. Même ça n'a pas suffi à le sauver. Il est mort. Un peu l'ambiance. Téléphone ? MJ, je suis dans un zoo abandonné à Jersey. Oh non, vraiment, ça. C'est... Enfin, bref. Bref. Pitié, vous comprenez pas. Oh
Oh, il est magnifique la statue de lion là. Ils ont utilisé un code pour entrer dans la cage. Oui, d'accord. On va partir à droite. Chasseuse qui a tapé le code ne doit plus être très loin. Personnellement, j'ai assisté qu'à une seule chasse. Souvent, j'en rêve. Celle-là va être spéciale. La chasse de toute une vie. Un jour, si je m'entraîne bien, j'espère arriver à son. Attendez, je vais voir. La chasseuse qui a le code est partie par là. Où est-ce qu'elle est? Allez, t'as bien caché ton mot de passe quelque part. C'était sûr. Qui se cache derrière ce nom connaît peut-être le code. Je dois juste lui faire croire que je suis Vika. Ben... Comment je réponds à la radio, du coup? Il y a sûrement ici des indices sur l'identité de Vika. Ah, ok. De la poésie en sincarien. Ça doit être sa langue maternelle. Elle parle sincarien parfaitement. J'espère que le mien n'est pas trop rouillé. Mais elle parle sincarien. Des indicatifs radio. Voyons voir qui est notre mangouste. Bonjour, Garin. Ok. On dirait un organique. Je crois que c'est la bosse de Garin. C'est bon pour moi. Ok. Il te faut ce code. Ok. Let's go la radio. Allez MJ, ton sincarien est encore... potable. T'as juste à répondre. It's Vika. Vika, Mongoosnock. Vika, détecte Foch. Garin, elegem vana, hiva shaipol. Hol vana, ka kezulekas kodo. O kodo. Sorosata, as informatios tablan tut hotnad? Te pedig as tut hotnad. Mien hongon beselhet velem. Ne hiv terbet. Nerta feyet be kerulhet. C'était pas si mal. Ok, je ferais mieux d'y aller avant qu'ils viennent vérifier. Mais Oui, voilà, c'est ce que je suis en train de me dire. Il est où ce putain de tableau? Il y a du sang ici. Mais vous avez fini là ? Produit dans le zoo pour affronter le lion avant qu'il soit euthanasié. C'est probablement là qu'ils sont morts tous les deux. Pourquoi ne pas sortir par là ? Il est sorti par là? Ben non. Ah, le tableau ici, ok. Le voilà. Les codes de l'enclos. J'ai le code. 051. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Hidon? Maman.
Oh putain, c'est... Je peux pas passer par dessus. Bon écoutez, attendez, je reviens parce que là les deux là ils sont excités comme Jaja. Je vais voir ce qu'ils ont, je reviens. Ok, rue. Alors. Bon, apparemment, ils avaient besoin d'aller au pipi. Urgemment.
Alors qu'ils ont été il y a donc moins un quart d'heure. Mais tranquille. Ok. Mais il va nous voir, lui. On est dans un cul-de-sac. Il est très con. Oh putain. Voilà ce que je cherchais, moyen de passer de l'autre côté. Il est de dos, lui. C'est pour le niquer. Court. Non, non. Ah, si. Oh là là, vraiment ici là. On va essayer de passer par au-dessus. C'était vraiment une idée de merde de passer par en dessous. Je suis en train de me faire repérer par les chiens là. Ah, PTDR, c'est pas des chiens. Hein. Je suis désolé, mais. Je vais quand même faire ça parce que ça les a bien niqués. Oups. Monte, je t'en prie. Putain. Oh, ici. On va peut-être pas les tuer. On va remonter. On s'en occupera plus tard. Par contre, il est vraiment tout seul. Le chasseur qui a les clés est allé par là. Je me rapproche. Là, il a la clé. Mais ils sont combien là? Ils sont trois. Là. C'est quoi ça? Ok. Là. Ok, Doc. On peut partir d'ici. On peut partir, on peut partir. Vite.
Oui, mon étant. Connais ce monstre. Il s'appelle Kurt Connors. C'est un homme bien. Il n'y a pas d'homme bien. Seulement. Mais oui, je suis là. Pardon pour le retard. Ah bah. Ça va, vous allez bien ? Maintenant oui. Mais ils sont cons. Dans l'atrium, il y a peut-être un échantillon de sérum. Je sais pas beaucoup de temps. On va vous en faire gagner. Bon bah let's go. En haut de la colline, le bâtiment en vert. Pitié, faites vite. On vous fera un passage, restez à couvert. Vous inquiétez pas Doc, on vous conduit au labo. Vous allez pas vous transformer. Oui. C'est un peu... Là c'est quoi ça? Ouais, on dirait qu'ils se tapent le sale boulot de leur chef. Je sais plus comment on fait une parade. Ouais. Mais je t'en supplie, saute, merci. Arrête, attends. Mais je sais plus comment je me soigne plus, c'est très grave. Comment je me soigne. La caméra. Non mais... C'était sûr. Ah mais c'est Harry, j'ai même pas capté que c'est... Tu sais que tu es un peu chiant et toi hein. Arrête, étends, s'il te plaît, c'est chiant. Okay.
Il reste qui là? La voie est libre! Allez! Mais eh, ça suffit là tous les deux. Faites de dos. Ah! Je m'attendais vraiment à mieux que ça. Il est plus gros que dans mes souvenirs, le lézard. Ça va, la lame est ressortie. Oh, mais ça va, la lame est pas sortie, tranquille. Oula. Non mais... Oh.
rien du tout. Rappelle-toi en primaire, quand tu... Non. Non, t'endors pas, mon pote. Ah genre ça soigne, comme ça. Mais Harry il en a besoin non, pour sa maladie. Oula. MJ, sors-le d'ici. Je m'occupe de ça. Non mais, enfin... Oula. Oula, on se calme. R, L1... Ah oui, c'est... C'est agréable. Ton chef devrait mieux viser. Par contre, le bruit de la manette, c'est pas possible. Désolé si ça fait des bruits parasites, mais... Par contre, on tue des gens, là, non ? Je sais pas. Qui survivent les gens, mais tranquille. Bon, je pense que ça doit être un espèce d'état de furie, ça va pas rester comme ça après. Hein. Il en reste combien? Ok. Lui, il en kiffe. Suis le lézard. L'araignée est à moi. Faites pas cette tête-là. Je vais bien. Bah non, t'as besoin du costume, gros. Je veux bien un peu d'eau. De l'eau, tout de suite. Alors, le costume a soigné ta... Ouais. Ça veut dire que sans, tu es... Ouais. Ok. Il faut trouver le moyen de remettre ce costume à Harry. Comment t'as fait pour me le donner ? C'est rien, c'est arrivé comme ça. Ok, je vais essayer. Ah, rapproche-toi peut-être. Vite, il y a un truc dans ta... Ok, c'est parce que... C'est quoi ça? Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Laisse-moi réessayer. Allez. Allez. Je suis désolé. Je sais pas comment faire. Il faut qu'on trouve le docteur Connors.
Oui, déjà aussi. Fichette est dans la nature là. Craven. Le sérum. Il l'avait autour du cou. Il l'a utilisé sur le docteur Connors. Si on trouve ce sérum, on pourrait l'analyser et se servir de cet équipement pour fabriquer un remède. Oui, et rendre sa forme humaine au docteur Connors. Je m'occupe de localiser Craven. Mais on pourrait peut-être quand même le trouver sous forme de lézard. Heureusement pour nous. Pour l'enfermer quelque part, Bichette, avant qu'il tue des gens ou qu'il se fasse tuer. Bon. Ok. Prochaine mission. On a obtenu un trophée, une nouvelle tenue. Il y a un prêteur sur gage à Little Odessa spécialisé dans les artefacts rares, dans le genre de scuto. Commençons par là. Bonne idée. Je sais bien, mais je me sens plein d'énergie. Ça me fait... m'a fait pareil. Comment ça marche, ce truc ? Honnêtement, je peux pas t'expliquer. Genre, je pense et le costume écoute. Ok. Ça m'aidera peut-être à trouver Craven et son sérum. C'est quoi déjà les points verts ? Je préfère éviter en général. Ça va aller, promis. C'est quoi ? Hein ? C'est quoi ? Ça a l'air mystérieux. Un mysterium. Ah, c'est ok, c'est avec lui. Oh, si c'est le même truc que la dernière fois, j'ai pas trop kiffé. Je sais plus comment on change de Peter. Et c'est comme ça. On va rester sur la mission principale. Ah, ça c'est nice par contre comme transition. Ça j'aime bien. Allez, c'est parti. Oh non, c'est de l'autre côté de la rive là, vraiment. Attendez. J'ai un pont là et j'ai un pont. Ouais, l'autre est plus près. Allez, on est reparti. Salut les amis, me revoilà avec un épisode vraiment spécial. Pour vous parler de toute l'actu de Harlem, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui la géniale conseillère Rio Morales. C'est un plaisir de vous revoir, Rio. Plaisir partagé, Danica. Alors, plusieurs rapports font état d'une tentative de cambriolage à Harlem. Hélas, mais le centre culturel de Harlem abrite des pièces ayant appartenu à des musiciens très résilients. La meilleure façon de leur rendre hommage est de montrer la même résilience. Nous en ressortirons plus fort. Il est plus rapide que l'autre, non ? Et j'ai entendu dire que Spider-Man avait joué un rôle. Il semblerait que les pilleurs des musées aient oublié d'anticiper les pièges. Ou l'arrivée de Spider-Man. Heureusement pour nous. C'est clair. Donc Spider-Man était bien présent. C'est génial. Vous croyez qu'il est beau gosse sous son masque ? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'on dit. En tout cas, New York ne serait pas la même sans lui. Merci Rio. On peut tous remercier Rio Morales qui nous a accordé un peu de son temps. Un dernier mot pour nos auditeurs avant de terminer ? Si vous avez besoin d'aide, n'ayez pas peur de demander. Les gens importants ne vous jugeront pas, c'est promis. Waouh ! J'aurais pas dit mieux moi-même. C'était Danica. Je me suis pris le poteau là. Cache de rôdeur déco. Ah, mais c'est pareil, c'est pour Miles. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chasseurs. Ils n'arrêtent pas de venir ici. Désolé de ne pas avoir été là. J'aurais besoin de renseignements sur ce vieil objet. Ce truc, il a bien failli me tuer. Ah, je peux rien pour vous. J'ai déjà vu ce symbole. Allez-vous-en. Attendez, je peux vous protéger des chasseurs. Oui. C'est pas eux qui me font peur. Je pensais avoir laissé ça à Volgograd. Les feux ont été allumés. On est dans sa jungle maintenant. Craven ? Kravinov. Les feux ont été allumés.
MJ me dit que t'as failli mourir. Tu vas bien? Hé, hey, Miles, je me suis jamais senti aussi bien. J'aurais dû être... Attends, pour de vrai? Je t'assure, je te rappelle. Oh merde, j'avais pas vu. Pardon. C'est quoi cette histoire d'allumer des feux? Je vois rien avec le feu justement là, à l'aide. Volgograd ? Je crois qu'ils font un genre de banquet. C'est une maman, désolé. C'est un peu vexant que Kraven n'ait pas pris la peine de m'inviter. Mais bon, je m'arrête pas à ça. Est encore plus grandiose que ce qu'on avait préparé pour le. Vous avez un permis de la ville pour faire ce feu? C'était pas du tout ce que j'avais prévu, mais tranquille. Ce qui manigançait. Venir d'autres produits de luxe depuis Volgograd pour cet événement. Ces cargaisons doivent arriver près d'ici. Il n'y a pas d'aérodrome ici. Mais peut-être sur les docks. Il y aura peut-être des indices qui mènent à Kraven. Allez, on est reparti. S'il y arrive un peu plus discrètement. Voilà. Me fais pas répéter. Je vous l'ai dit, tout est là. Où est le reste de notre cargaison? À l'aide. Il a besoin de mon aide. Au secours. Tu as du grand de voler, Kraven. C'est pour moi. J'ai beaucoup de chasseurs pour de la vodka. Mais dépêche-toi, putain! Ah là là! Bref, excusez-moi. Il y avait un autre sniper là-bas. C'est super vilain, et un coup, il organise des fêtes? Mmh.
a pas dû y aller de main morte, Orso. Qu'est-ce qui se passe, toi? Faut faire dodo un moment. Il reste plus grand monde. Monsieur, tout va bien? Pourquoi non? Mais. Allez, je peux livrer la cargaison à votre chef. Oh super, en voilà d'autres. Dites-moi seulement où je peux le trouver. Lui et moi, on a des affaires à régler. Aller voir le docker. Ils n'ont pas raté, le pauvre. Doucement, doucement. Vous êtes dans un sale état. Je vais vous aider. Hôpital, pitié. Oui, voilà, t'inquiète. Tout va bien se passer. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Qu'est-ce qu'ils voulaient? De la marchandise. C'est perdu en chemin. Et ils ont cru que je l'avais prise. Vous êtes à l'abri maintenant. Bon, où est le point de déchargement? 718 Kent. Je me demande comment va Harry maintenant qu'il a plus le costume. Ouais, mon pote, comment tu te sens? Je vais bien. Qu'est-ce qui se passe? Craven ou Kravinov organise une petite fête au 718 Kent. Je pensais y faire un tour. Ça ressemble à une sorte d'assaut. Minute, j'y suis presque. Il y en a du monde ce soir. Pourvu que notre VIP soit là. Ils sont plus nerveux que d'habitude. Te fais pas remarquer. Comment tu comptes entrer? Par la cuisine. Sape-toi mieux alors. Le Peter Parker classique, ça passera pas. C'est pas de veine. J'ai laissé mon costard au pressing. Hein? Wow, je suis un espion. Un speeder espion. Eh, hey, tu m'avais pas dit que ton costume pouvait se changer en costard? Ah, ça me l'avait jamais fait, moi. Hé, toi! Viens par ici. C'est pour le garde du corps de Monsieur Kravinov. Son garde du corps? Il s'appelle Dima. Dépêche. Ah, tu viens de prendre ton service. Ouais. Je te laisse travailler. Il n'y a plus qu'à trouver Dima. C'est parti! Comment c'est possible que mon chat suive? Faut pas les faire attendre, dis-leur! Arrêtez de m'ignorer. Chic. J'avoue. Je me fonds assez bien dans le décor. Et je me sens en pleine forme. Pardon. Continue ou je te brise les jambes. Ça peut pas marcher, une fléchette d'il y a 3 siècles. T'y connais rien du tout. Arrête. Bah, t'as qu'à me montrer. Je vais te montrer avec lui. Oui. Oh. Tiens-le.
Ouais, laisse-le se tortiller un peu. C'est un vieux poison, et tu sais même pas comment on sert de ce truc. Le véritable chasseur s'adapte. Dors bien, l'ami. Ces chasseurs étaient barges. Étaient ? Tout ça à la fois. Et ça doit être le maître d'hôtel près du podium. Est-ce que l'un des porte-boucliers est arrivé? Oui, il est à côté, au coin du feu. Monsieur Kravinov sera-t-il des nôtres ce soir? Il reste encore certains. Parfait. Kravon n'est pas ici. Porte-bouclier. Ça me fait penser à un garde du corps. Je vais le dépecer, Amon. C'est pas lui, Tessia. Si tu butes. Ah, mais bouge-toi. Il est immense. Votre repas est servi. Comment ça? C'est quoi ce machin? On m'a dit d'apporter ceci au garde du corps personnel de Monsieur Kravinov. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est moi? Parce que vous êtes... costaud. Dima est affamé. Je te conseille de partir. C'est drôle. Justement, c'est ce que j'allais faire. Ok. Cette pièce-là qui regardait. Je dois trouver l'ascenseur. Si c'est ça le porte-bouclier, quelle taille doit faire Dima? J'ai trop peur. Je refuse de continuer à servir ce type. Tu lui apportes son plat et tu t'en vas. C'est pas si compliqué. On verra si c'est toujours aussi facile quand ce sera ton tour. Je sais pas s'il parle de Dima ou pas. Chaud devant. Mais t'es con, quoi. Pas, dégage. C'est un désastre. Si tout n'est pas nickel, on va se faire tuer. Chaudevin. Non, 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 attends. Mais vraiment, bon. Et ça va pas de rester planté devant la porte? Je t'ai dit d'attendre. Tu m'excuses, mais il y en a qui... Pour travailler dans le truc de la restauration, ce genre de choses n'arrive pas. Et on se remet au boulot, ok? Il y a une porte d'entrée et une porte de sortie. Bref. Oui, je sais que tu es chiant, bébé. Je sais bien, je t'ai plus. Tu veux pas aller faire un petit dodo? Qu'est-ce qui t'arrive? Si je trouve Dima, tu veux venir dans les bras, c'est ça? Son espèce de sérum de lézard. C'est que tu veux. Facile. Non, c'est pas ça que tu veux. Bon, allez. Ah là là. Ah! Dis par hasard, tu serais pas. Dima? Oh. Voilà qui explique le menu secret. J'en connais un qui a les crocs. Un tigre. D'accord. Ok. On va trouver autre chose que du paquet d'araignées pour Dima. Ce steak doit bien être quelque part. Le voilà. Il y a quelque chose qui me conduira à Kraven dans ce bureau. D'abord, je dois virer le tablier. C'est quoi ce bordel? Ce chasseur est juste là. Qu'est-ce que... Tu t'es jamais demandé de descendre? Il faut que je vise un truc pour détourner son attention. Ah,
toile, c'est bien comme diversion. Mais tu contiennes ou pas? Je comprends pourquoi ça marche pas quand je tape sur le bouclier. Pas à faire le... Tu me saoules, Spider-Man, en fait, hein. Je t'avoue que là... Putain, pourquoi ça disparaît, ce... Je me saoule. Je sais pas si c'est buggé ou si c'est moi qui fais un truc mal en fait, c'est... Écoutez, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai l'impression que c'est bugué, hein. Je sais pas. J'arrive pas à récupérer le bout du monde. C'est pas grave, je pense que je vais m'arrêter là parce que ce soir sur les chiens sont vraiment insup. Je sais pas ce qui se passe mais il faut que je vois parce que à mon avis il y a un souci. Je relancerai la save, peut-être que voilà, c'est buggé, je sais pas. Je m'en renseignerai. En tout cas, je vais vous laisser pour ce soir. Je vous fais des bisous. À bientôt. Et on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous.